Le Conseil a examiné et adopté un rapport portant la situation de la trésorerie de l'État au 30 septembre 2023. Il faut dire que chaque trimestre, la situation de la trésorerie de l'État est faite au Conseil. Et à partir de la présentation d'aujourd'hui sur la situation au 30 septembre, il ressort qu'il y a une amélioration donc au niveau des recouvrements. Nous sommes à un taux de recouvrement de 77% sur une cible de 75%, et soit plus de 2 000 milliards de recouvrés. Et nous allons donc intensifier les actions pour le reste de l'année afin d'atteindre les objectifs. Comme vous pouvez le constater, nous avons pu faire une amélioration donc au niveau des recouvrements, ce qui nous a amené à faire un rectificatif au niveau de la loi de finances rectificative pour augmenter donc les prévisions de recettes de 100 milliards, donc ce qui va permettre d'améliorer davantage donc les recouvrements. En ce qui concerne les dépenses, l'exécution des dépenses se passe globalement bien. Nous sommes dans le dernier trimestre, donc nous travaillons à faire en sorte que les restes de l'année, l'exécution de la dépense se passe bien. Donc, il suffit maintenant de faire en sorte que les actions soient intensifiées donc pour les recouvrements pour le reste de l'année et également travailler à rationaliser les dépenses de sorte à ce que nous puissions faire en sorte qu'en fin d'année, les recouvrements puissent atteindre l'objectif qui a été fixé donc en début d'année. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et cela va permettre en fin d'année d'avoir une situation qui nous permette donc d'être en tout cas le plus proche possible des prévisions, sinon même faire des dépassements. Donc voilà ce qui a été présenté donc comme action en ce qui concerne donc la situation de la trésorerie au 30 septembre 2023.